Bonjour tout le monde, bienvenue sous Espace ça. Un plaisir pour nous avec vous. Si vous montez première fois, pas oublier vous peser le bouton subscribe, comme ça tout, vous appuyez la cloche là pour capable une notification toutes dernières informations que nous partagez. Eh bien, autorité dans le pays d'Haïti arrivé mettez la patte sur un réseau qui a bien passé dans cause des téléphones en Haïti. Mes amis, et réseau ça d'après estimation yo, c'est des séries de monde, des fraudeurs qui comptent faire près de $10,000 américains par jour. Nous comprenons ça, vous l'avez dit? $10,000 américains par jour. Ok? Donc, on dit que c'est un bel coup de filet de la part des autorités. En fait, qui s'allie? C'est que c'est un réseau de fraudeurs téléphoniques qui est démantelé dans une petite ville. Conseil national de télécommunication qu'on a tel, de concert avec la police, la justice, ils ont procédé, mardi qui se passait là, mais démantèlement, réseau malfaiteur ça où. Yo spécialisé Jean Doula c'est dans fraude téléphonique couramment bay ça que yo les bypassing c'est comme quoi m'da dou que m'a 20 minutes ou bon bagage de manière illégale m'gen bay électroniquement qui fait que m'ka pas rentrer dans business appel international alors que m'ba gen compagnie m'ba digicel m'ba natcom donc bypassing non c'est ça le détourner appel international vers réseau local on t'a appelé dit ça veut dire appel international fait comme si c'était un yo vinn fait comme quoi m'ta dit son appel local matériel équipement yo jwenn nan men groupe ça des centaines de cartes de SIM de compagnies de téléphone mobile implanté en Haïti bon nous connaissons des seulement en Haïti c'est Digicel et puis Natcom autorité au saisi yo il y a une personne qui a appréhendé matériel confisqué par la justice pendant que t'a démantelé réseau de fraudeurs ça qui n'a petit en ville, une intervention qui parfaitement préparée. Il dit bah yo bien préparé par autorité de l'état et à travers Konatel, nous connaissons Konatel gen moyen pour ça pour être capable screen moun yo repérer mouvement yo et responsable compagnie téléphonique yo. Après en fait, si on fait plusieurs semaines avant pour mettre la patrouille, plusieurs semaines de cette tentative loupée par exemple, yo t'al dé prend au 6 décembre ça a été échoué, mais finalement c'est c'est hier qui était 10 décembre là que y arrivé joignio et réseau ça qui a fonctionné dans petite ville dans zone ça qui relie en fait dans rue Hélène Macari dans zone mon bon pendant opération ça police a saisi jeune doula de appareil qui capable aboutir simultanément plusieurs dizaines d'appels comprenez bien des appareils qui capable fait aboutir simultanément de plusieurs dizaines d'appels. Des cartes de SIM, il y a deux ordinateurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de ordinateurs pour faire vol ça. Il y a deux ordinateurs, il y a un système inverteur, 7 routeurs, il y a une antenne et 3 SIM box qui représentent le matériel qui est arrivé à confisquer. SIM box, c'est eux-mêmes qui sont responsables appel utilisé dans le cas d'installation passerelle, VoIP. VoIP là, business qui permet que vous capable mettre une minute pour moun et qui gagne une quantité de SIM. Réseau ça, attendez bien, c'est pas quelque bagarre, c'est un bagarre de très grande envergure. En plus moun pense que l'autre la fête comme ça, c'est pas seulement moun Haïti, ça veut dire qu'il y a des ramifications à l'international. Il y a des séries de contacts moun à l'international. Et il y a une dame qui était présent qui t'a géré maison côté au jeune moun ça yo yo arrêté, il témoigne que réseau a c'est pour ressortir haïtien qui est le junior chaillot qui vit au Canada et ça fait le connait. OK, donc bypassing mes amis et mon yo comme la belle et nous nous bien $10,000 américains par jour qu'à comprendre ça il a fait comme ben comme ça fait de la comprendre bien oui son manque à gagner à la fois pour compagnie téléphonique qui a perdu parce que mais son manque à gagner pour l'état tout l'état haïtien et opérateur yo concerné. Parce qu'il y a des pertes énormes par suite de ce genre de piratage. Son piratage, dit. C'est donc, vous pouvez comprendre que nous, on a parlé à grand pile mesure qui va le prendre pour vous. Va adopter plusieurs mesures. Compagnie téléphonique qui est conscient que la situation hein, et ils sont tout prêts pour collaborer. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt de collaboration. Hein. Et c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont principales victimes de ça. On a les bypassing. Non? C'est une activité criminelle, lié, ok? Son activité criminelle et organe régulateur la Konatel fait connaître. Coupable et complice yo répréhensible
et yo pral puni yo avec la plus grande rigueur possible. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que yo di a yo pour un réseau, il y a plusieurs réseaux comme ça, et il y a plusieurs types de réseaux comme ça, des séries de monde. On va d'avancer ça qui gagne des réseaux en Haïti, qui a fait de 10 000 dollars américains par jour. Et donc, c'est une sorte de forme de piratage qui fait que il y a exploité et compagnie et télé, il y a exploité compagnie téléphonique qui gagne en Haïti. Il arrive à mettre la patte sous réseau ça. Parlant de téléphonie, nous connaissons que Digicel présentement la li nan problème avec la justice américaine. Il a poursuivi li notamment parce que il veut comprendre que li ta vann ça ta relé plusieurs SIM sans que moun sa yo justement alors je dis moun qui achète SIM sa yo pa bay carte d'identité. On moun gen wa di bon, qu'est-ce qui problème qui gen dans ça? Faut comprendre bien ça qui passé. C'est que l'important pour que chaque l'homme mon achète carte SIM pour lui une carte d'identité pour identifier clairement parce que un téléphone il utilise pour plusieurs. Imaginez dans cas kidnapping. OK? Ça veut dire un numéro monté. Il faut que eh bien là où un numéro a si effectivement moun qui t'acheter l'a été identifié lui mais là au niveau de Digicel mais yo supposé dire mais moun ça c'est tel moun qui acheté. OK? Maintenant, ça qu'arrivé que vous finissez faire enquête, les à côté moun ça dit bon, c'est volé ou t'es volé téléphone, bon là, il a posé la question quand même. Mais ça qu'arrivé que bandi volé téléphone pour faire ça. Mais tout au moins, yo capable faire un suivi donc il a poursuivre et dit c'est là sans ça pour que forcer pour forcer suspend entrer dans logique à vendre ou ensemble de 4 SIM à des séries de moun justement qui en le terme qui pas ba identité yo. Mais nous connais gain des cas tout côté que 4 SIM yo vann yo par stock tout moun ka acheter en gros à ce moment la durée y a ça le terme on a dit c'est un entrepreneur qui achète à ce moment la durée entrepreneur ça a bien permission l'elle pour le vendre l'elle vend mon téléphone li vann 4 SIM li même faut le faire collecte des fonds nous pense que et dans un pays côté que tout temps gagne des crimes gagne des activités de kidnapping nous pense que c'est de bon augure pour que gagne un contrôle sous acquisition de téléphone dans pays là nous pense que ça pas veut dire que yo pral complètement et quand t'a dit ça éliminer kidnapping avec causer ça mais nous croyons que si gagne des rigueurs qui passe chaque fois un monde achète un 4 SIM faut ou ba identité ou nous capables plus ou moins et arriver parler avec données et avec problème ça vraiment nous cap plus ou moins bien entendu parce que ça que nous dit plus ou moins gang yo capable toujours voler téléphone pour faire des transactions mais on pas jamais connaît gagne qui gagne doit négliger ça qui pas comprendre l'importance ça et puis comme ça tu capable mettre la patte sur yo donc d'où l'importance pour que effectivement ta gain ça n'ta relé pour que effectivement ta gain ça nous ta relé et un contrôle dans gens mon 24 et acheter et 24 SIM dans pays d'Haïti. En fait, ça nous a dit pour tout le monde Junior Kayo au Canada qui t'a bien passé avec business en Haïti dans cause téléphone. Eh bien, on est là, monsieur Tredenman, vous allez faire suivi, vous allez mettre la patte sur le côté Canada. OK? Donc, il y a un mouvement ça. En plus, là, tout, qui est un mouvement qu'on est là, vous allez commencer, vous allez connaître. Est-ce que vous allez camper? Parce que vous dites, bon, c'est bon, c'est le monde qui a fait. On dit, bah, ça a vu une plus mal que drogue. Il plus mal que deal, nest qui a vendu cocaïne. Et si nest la café, j'en doute là. Combien vous prenez en main, mes amis? On est bien, ils vont bon emploi, vous gagnez, non? Deux grands ordinateurs, programmes que vous gagnez, hein? Son piratage côté que vous pas investi en pile. Donc vous gagnez des contacts de l'international. Et puis vous avez fait 10 000 dollars américains par jour. 10 000 dollars américains par jour. OK. Donc nous voyons combien de gens fait par mois là. Facilement, les gens fait 300 000 dollars. Dans le mois. C'est terrible. Dans un pays, dans un pays comme ça. Bah de ouais, nous voulons rappeler pour tout le monde parlant d'argent. You know, nous ne pouvons pas avancer ça. En fait,
là on a parlé de faire cob en Haïti et tout analyse montre que acteur qui fait plus cob en Haïti là c'est Digicel. Pas gain à sortir de là. On a parlé de business. Donc si on cherche les monde qui plus riche en Haïti dans business, Haïti, il a parlé de monde en termes de activité économique en Haïti qui fait plus cob. Le néo clair pas gain qu'un entrepreneur haïtien qui capable de faire plus cob que compagnie ça qui c'est Digicel. Digicel qui presque gon monopole, qui pas gon monopole vrai parce que ou gen Natcom, mais Natcom par rapport à quantité que le prend dans marché a et par rapport à quantité Digicel prend dans marché a, Digicel ta presque gen et yon monopole qui vient faire que yon classé comme compagnie qui fait plus comme on dit que le Digicel te prend décision ça choisi entre en Haïti effectivement. C'était un bon calcul, il était en opportunité, il débarquait en toute force rapide, l'implanter li, je dis ya. Nous bien dit li presque développer un monopole et vraiment nous avons fait très attention pour pas venir monopole et nous avons souhaité que l'État ensemble avec acteurs comprenne nécessité pour garder notre com c'est de pour venir un monopole ou pas gain compétition donc on t'a dit si pas gain l'autre alternative ça veut dire qu'ils sont bon sauver ou bon n'importe service ou voulez donc bien important et je ne veux dire il y a pas la nécessité pour ta un troisième acteur en plus le monde dit en fait Digicel et notre com dit bon pas une possibilité pour nous d'avoir un troisième opérateur dans le pays. Mais nous pensons que c'est important. Parce que l'un des plus opérateurs, c'est avantage JS, c'est avantage nous-mêmes et les consommateurs. Puisque nous ne connaissons que vous avez une alternative, vous avez le choix de Kakito, mal pour l'autre, le fait que vous avez un service soit pas de qualité. Et il faut dire que c'est important pour qu'effectivement, vous avez un troisième acteur. Et pas oublier que ces mêmes gens, lorsque Natcom est rentré, et vous avez à ce moment-là du Digicel, avec voilà dans le moment, puisque voilà bah là encore, dit c'est l'acheter dit, il va pas de vous n'être comme entrer. Et ouais, quand nous, si n'être comme pas entrer, nous avons gagné un monopole, et de vous entrer dans le monopole, mes amis, ou pas qu'à gagner en rien de qualité, ou pas qu'à gagner, pas gagner fort encore, c'est ça la réalité. De vous entrer dans le monopole, pas gagner effort de la part des acteurs, parce que on a toujours connaît que il pas besoin de faire trop effort. Donc voilà, nous avons un update pour vous, sur démantèlement ça. Donc, pas oublier toujours être connecté avec nous. Toutes dernières informations à partager avec vous.